Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Comme vous avez pu le constater, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'on a pu voir et assister? C'est que le Paris Saint-Germain est officiellement dans le groupe de la mort. Le Borussia Dortmund, l'AC Milan, Newcastle, que des équipes historiquement grandes qu'on va tous fracasser bien comme il faut. Vous croyez quoi? Que nous, on va trembler les genoux, on va claquer des genoux? Lorsqu'on sera sorti de ce groupe, il va falloir présenter des excuses pour toutes les insultes que vous avez pu proférer à l'encontre du Paris Saint-Germain. Vous m'entendez? Parce que l'AC Milan, là, hein, ce n'est plus ce que c'était. Léon, il n'y a que toi qui es virilement dangereux. Oh là là, tu vas nous faire des choses auxquelles nous n'avons pas encore pu nous préparer, mais sache qu'au match retour, on va te verrouiller bien comme il faut. Tu comprends ce que je veux dire? Là, Giroud va revenir au Parc des Princes. Demandez-lui, quand il jouait à Montpellier, comment ça se passait lorsqu'il venait au Parc des Princes. Demandez-lui, il va vous répondre. Voilà, et Newcastle, on va tellement vous Newcastler. Oh là là, on va vous Newcastler bien comme il faut. Et le Borussia Dortmund, c'est terminé. Bellingham n'est plus là, donc il n'y a plus aucun danger. Donc c'est vrai que c'est le groupe de la mort parce qu'il y a des noms, mais quand tu regardes sur le terrain, il n'y a que l'AC Milan qui est dangereux. Et encore, quand on va aller là-bas, hein, à San Siro, on va censurer le terrain. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le stade, ils vont commencer à faire des cris de singe, des cris de je ne sais quoi, comme Mbappé va aller mettre son triplé. Et Newcastle, franchement, oui, j'en sais bien, voilà, c'est cool, voilà, Alan Shearer, il n'est plus là. Vous comprenez? C'est terminé. Vous avez été fort, mais maintenant, vous allez voir ce que c'est le football. Vous pensez que nous, on est là pour rigoler? Tu penses que là, on ne va pas arriver dans les deux premiers de phase de poule? Hein? C'est ça que tu es en train de te dire? T'es en train de te dire que là, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver en Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille. Hein? Réfléchis un petit peu, pose-toi, regarde les matchs du Paris Saint-Germain et dis-toi bien que maintenant, le Paris Saint-Germain a une identité sur le terrain. Tu comprends? Donc oui, on est dans le groupe de la mort, mais c'est pas pour nous, hein? Ah ouais, c'est eux les autres qui sont dans le groupe de la mort. Nous, on est dans un groupe où le jeu est un petit peu relevé. Tu comprends ce que je t'explique? Hein? Parce que nous, là, on est sortis de poule où il y avait les Manchester City. Tu comprends? Les Chelsea. C'était du grand n'importe quoi. Mais là, on va tellement vous boire. Hein? On va vous liquéfier et puis vous consommer normal comme un petit verre d'eau. Donc, parlez comme vous voulez. Hein? Dites ce que vous voulez maintenant. Mais lorsque les matchs vont commencer, on va voir.